un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, mais tiens ma main. Elle est bien, maman. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. J'aime beaucoup, moi. Ah, mais moi je n'irai pas plus loin qu'il faut. C'est pour toi, mon bienveillant. C'est encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Faut y aller. Prends garde, prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Tout va bien. Là-haut, si je ne tombe pas. Non, Jésus, je ne tombe pas. C'est beau. Ah non, vous êtes des malades, en fait. C'est beau. C'est The Max, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Défait. Ah, ils t'ont tué. Merci. Là. Les autres années, on pouvait tricher. Bravo. Ils t'ont désactivé le siège, quoi. Bravo déjà. Merci. Ça va, t'as passé un bon moment? Oui. Pas trop stressé, ça va, tu redescends un peu? Oui, ça va. Mais on a envie de savoir comment tu t'appelles, raconte-nous un peu ton histoire. Je m'appelle Zoé, j'ai 22 ans. 22 et ans. Et j'habite en Vendée. En Vendée, oh, d'accord. En plus, t'es vendéenne. Alors là, Vianney, c'est dur. Il te racontera ce qui lui est arrivé et pourquoi il est dans cet état. Là, c'est un complot contre Vianney qui a eu lieu. C'est là, un complot de la production, d'une instance mondiale dont j'ignore encore l'identité. Non, ça doit être le FBI, je pense. Ouais, c'est sûrement le FBI. Au début, on n'y va pas. Je ne sais pas si je parle à ton nom, tu me coupes si jamais au lit, parce qu'on n'est pas non plus les mêmes personnes. Mais hein, tu donc, sais quoi, parle en ton nom, ça voilà. M'arrange. Au début, je n'y suis pas allé parce que ce genre de voix-là, ce n'est pas mon goût. Très carré, avec ce vibrato très poussé. Et puis tu en vois. Une fois, deux fois, ça monte. Et au bout d'un moment, l'émotion prend le dessus. C'est tellement incroyable que c'est impossible de ne pas y aller. Là, le niveau que tu as sorti, la note Merci. De fin, elle était incroyable. Merci Je pense qu'en termes de voix, tu as ce qu'il faut. Maintenant, il faut aller chercher à baisser les épaules, à ouvrir un petit peu, à te lâcher. Mais la voix que tu as envoyée là, c'est une patate, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Coucou. Salut. Alors, je vais y aller vraiment franco. Je rêve de t'avoir dans mon équipe. Ouf, alors là. Ah non, mais vraiment. En fait, on est à la fin des auditions à l'aveugle, donc ça fait quelques semaines que ça a commencé. Et en vrai, je peux compter sur les doigts d'une main les voix comme la tienne, aussi puissantes, aussi fluides, aussi porteuses d'émotions, de sentiments. Pour moi, tu fais partie des deux, trois talents qui ont le plus de tout, en fait. Mais vraiment, pour moi, tu es une grande, grande concurrente, comme il y en a très peu dans les saisons de The Merci Voice. Beaucoup. Pour moi, tu es déjà une The Voice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Tu as une immense voix, Merci. Mais tu n'es pas au service de ta voix. C'est ça qui est magnifique. Avec une grande voix comme la tienne, eh ben, elle reste à ton service et au service de ton émotion. Et ça, c'est pour moi la clé. Tu vas voir? Franchement, viens Vas-y. Dans mon équipe, s'il te plaît. Tu veux y aller, Sorine? Viens dans mon équipe. Quelle voix! Alors là, Amel, elle sent les... Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi ce titre? C'est un titre qui me touche en ce moment dans ma vie, puisque du coup, je suis maintenant mère célibataire. Et c'est un combat que je mène toute seule maintenant. Oh, Bibou! Je pouvais pas le retenir. Mais vraiment, je vois maman, Eddie, je vois maman, au bout d'un moment, ben maman. Hein. Salut madame. Bravo Zoé. Merci. Bonjour. Ah, oh, c'est trop chou.
C'est magnifique. Bienvenue dans The Voice Kids.